qu'il faut surtout pas mettre dans votre jardin, alors qu'ils le conseillent dans les bouquins sur les légumes vivaces, c'est l'oseille sanguine, ils appellent ça. C'est un rumex, mais c'est une véritable saloperie, c'est envahissant, c'est dégueulasse, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, mettez surtout pas ça dans votre jardin, l'oseille sanguine. Alors que vous savez, vous avez ça dans pas tous les bouquins sur les jardins forêts, mais c'est très très souvent qu'ils citent ça comme une plante intéressante, alors que ça ne l'est pas du tout. Et ça s'enracine très profond en plus. Alors si vous êtes intéressé par mes recherches, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne ou à télécharger le guide des 7 conseils pour avoir un jardin forêt productif où vous aurez toutes des bonnes bases pour faire un jardin forêt qui vous permettra de nourrir votre famille et de ne pas faire un parc botanique de trucs farfelus comme on trouve dans la majorité des bouquins sur le sujet.